cette prophétie, je ne sais pas. Dans la prophétie où j'ai parlé de. C'est. Attention, Madame Gbagbo, quelque chose comme ça, Simon Gbagbo. Dans cela, j'ai parlé d'un milliardaire camerounais. Si vous vous souvenez, en 2018, quand il parlait dans la prophétie concernant Madame Gbagbo, attention à l'assassinat, j'ai parlé d'un milliardaire camerounais. Je crois que ici, il n'y a pas de parabole à faire parce que c'est déjà passé. Amen. D'un milliardaire camerounais qui est sur le parti, j'ai dit qu'il fait les allumettes, pas vrai? Il avait parlé d'abord de l'autre qui fait de la boisson, qui est passé. Puis un de ces jeux-ci, si vous dites quel est le but pour lequel le Saint-Esprit le fait ça, ou devez vous poser la question, quel est l'intérêt qu'il dit que telle personne est censée de quitter la scène? L'autre semaine, il y avait parlé ici d'un musicien qui en est de partir. J'ai parlé des journalistes ici, pas vrai, n'est-ce pas? Des musiciens qui en est parlé. J'ai dit, ces musiciens, je le suivais depuis des années. Et je l'ai vu initialement dans une gare. Il était assis là, seul dans la gare. Ce gare, c'est quand vous le voyez, vous comprenez exactement ce qu'il est en train de dire. D'accord? C'est une gare. Le train de passer, il a mis son sac debout comme ça. Il est assis sur une chaise qui est là-bas. Il a croisé les pieds comme ça, un peu comme cette fille-ci a fait les pieds. Et puis, le train doit s'arrêter pour qu'il quitte pour aller à l'intérieur dedans. Donc, vous voyez qu'il y a quelqu'un sur la terre qui est mort depuis des années. Donc, j'ai vu sa mort depuis des années, plus de 5 ans maintenant. Mais je le vois chaque fois à la télévision, à la radio, j'observe. J'essaie de le contacter pour essayer de voir comment on va faire pour que cette personne arrange sa vie. Et vous voyez ce que le Saint-Esprit dit qu'il connaît la voie pour s'en sortir. Parce qu'il a eu déjà été testé. Mais la vie dit quand vous avez goûté que le Seigneur est bon, on doit se rapprocher. On ne doit pas goûter le Seigneur et faire ces choses-ci. Ça vaut la peine de ne pas venir là-bas. Il ne faut pas retourner à ce qu'on a vaut, à ce qu'on a vaut mieux. Mais il est là. S'il écoute, il sait que c'est de lui dont il est question. Bon, je commence ici. Donc, je vous parlais de cette famille-ci dont le père est riche. Donc, il commence par le quoi? Comment il veut dire cela? Bon, je crois qu'ici, il ne faut pas qu'il mette la bataille. Parce que je vais raconter tel que j'ai vu, d'accord? Quand ce sera là où il y a les dangers, où il y a les. Je vais essayer de. D'accord, frère? Bataille dans la famille, faute ça. Vous savez, c'est écrit ici depuis, mais comme la dernière fois, comme c'était long, j'ai dû couper. Bon, nous sommes le 10 aujourd'hui, le 10 juin. Donc, la semaine s'est passée. Donc, bataille dans la famille. Quand j'écris comme ça, là, j'écris pour que la phrase me réveille, pour que je vois la vision. Maintenant, je vous raconte la vision. J'ai vu, je raconte comme ça, c'est pas pour vous, d'accord? J'ai vu, bon, ça c'est la bataille. J'ai vu une femme. Celle-ci, elle avait la façon que je la vois dans la vision, elle est brune. Mais c'est comme si elle est à côté de son père, parce qu'il l'a vue en noir. Elle a porté le noir, donc tout de noir vêtu. Initialement, elle marche avec son papa. C'est comme si elle est le bras droit de son papa. C'est une femme noire. Mais quand vous la voyez, elle a la couleur brune, un peu comme ça, c'est un peu plus que celle-ci. Parce que c'est comme elle a pas l'argent pour mettre l'huile. Celle-là, elle met l'huile. Donc, elle brille. Mais elle brille. Elle est autoritaire. Donc, elle est une femme, mais elle a l'autorité de l'homme. C'est celle-ci que j'ai vue. Maintenant, il marche avec son papa. Et donc, parce que de la façon que j'ai vu le Saint-Esprit avancer cela, j'ai vu elle avancer avec son papa, arriver à un nouveau donné. Vous savez, vous sortez quand les gens sortent de la morgue, non, quand les gens vont faire la levée du corps, le levée du corps, et qu'ils marchent avec les photos, c'est-à-dire que les photos de la défunte, n'est-ce pas? Et la personne porte la photo comme ça, elle marche. Donc, elle venait d'abord, initialement, elle marche avec son papa, il voit comment son papa marche avec elle comme ça, pour montrer clairement qu'elle est côte à côte avec son papa. Puis maintenant, je vois, elle avance, à un moment donné, je vois son papa n'est plus là, elle présente plutôt les photos, elle est d'avancer. Quand elle avance, le Saint-Esprit me montre une autre scène encore. Toujours les membres de la famille sont devenus face à face d'elle. Cette fois-ci, cette personne-ci, j'ai vu un homme qui est aussi brun. Mais cette fois-ci, avec une autre femme encore. Ils sont devenus face à face. Et je vois que ceux-ci ne sont pas en noir, ils sont en gris. Les couleurs-là me posent problème. Bon, comme ça ne nous concerne pas, et ça ne concerne pas l'évangile, je ne vais pas trop poser de questions. J'explique comme ça parce que les couleurs, les positions, les photos et les symboles ont des messages. Alors, maintenant, un groupe porte le gris. Elle est de son côté seule. Parce que j'ai vu avec sa photo de son papa s'avancer vers eux. Ils sont tenus là-bas. Normalement, dans la vision, quand il regarde la vision, je me dis, ils ont le même sang. Donc, par ce moment de tristesse, ils doivent s'embrasser. Mais ils avancent. Elles avancent là-bas. Et frère, je me tiens comme ça. Je vois ceux-ci à ma droite, vêtus de gris. Je vois ceux-ci à ma gauche, vêtus de noir. Je regarde leur cœur, je vois que c'est l'antagonisme. Donc, si ça sourit, le sourire n'est pas normal. Qu'est-ce qui est caché derrière? Qu'est-ce qui est caché derrière? Mais parmi cette famille, il y a des pasteurs. Donc, il faut que quelqu'un qui est au milieu de cette famille, qui est pasteur, prie et jeûne pour cette famille parce que les sang versés réclament réparation. Donc, tant qu'il n'y a pas la réparation, par la prière et le jeûne et la repentance de cette famille-ci, ceux-ci vont continuer à s'entretuer comme ça et ça va descendre de génération en génération. Voilà l'héritage laissé par le patriarche.
Et puis, c'est sur quoi on basait sa vie. Petit à petit, ça commence à s'effriter, à s'émietter. Et vous dites, c'est cette famille-ci qui était riche comme ça et craint. Qu'est-ce qui est arrivé? Les charognards sont passés par là. À cause de quoi? La source, la provenance. Donc, ça veut dire que si on s'assoit comme ça pour faire même une réunion, même peut-être je vais l'entendre, ça sera l'entendre sur papier, sur lèvres, mais à l'intérieur, ce ne sera pas ça. Oh, la paix, s'il y a une paix, il y a un processus de paix, que ça ne vient pas du cœur, tout cela, c'est l'hypocrisie. Donc, si les gens nous entendent, que vous êtes de la famille de ces gens-ci, ciblez les gens qui sont croyants à l'intérieur et dites-leur ce qui est. Une réunion où on s'assoit pour parler ne donnera pas les solutions, ça va plutôt engendrer encore les guerres. Parce que les gens vont dire, toi tu es qui pour parler, toi tu es qui pour parler, ceci est qui pour parler. Maintenant, cette femme-ci qui est dans le. Que j'ai vu avec la photo, non, si elle parle trop, c'est ces choses, ça peut créer des problèmes. Bon, c'est bon. Donc, bataille de la famille, photo, c'est bon. Aïe!